Voici comment connaître exactement la mémoire interne du téléphone. Si vous achetez nouvellement le téléphone portable, voilà, il y a une erreur que vous faites. Par exemple, certains, s'ils achètent un téléphone portable, ils rentrent dans paramètres, voilà. Ensuite, ils rentrent dans stockage. Et ils voient ici, ils ont écrit total 128 Go disponible. Sachez que ici, c'est faux. Voilà. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas connaître exactement la mémoire interne du téléphone. Voilà. La plupart des gens connaissent déjà cette application. Vous allez rentrer dans Play Store. Voilà. Ensuite, vous tapez dans la barre de recherche Senda. Comme ceci. Vous faites la recherche. Voilà. Donc, c'est cette application. Moi, j'ai déjà installé. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Si ça vous amène ici, bon, c'est la publicité. Voilà, vous défilez vers la droite. Vous appuyez commencer. Voilà, vous allez patienter jusqu'à ce que ça recharge. Ensuite, vous scrollez vers la droite. Voilà, vous verrez ce fichier. Donc, exactement, c'est ici que vous devez connaître la mémoire interne du téléphone. Comme vous le voyez, c'est 118 Go au lieu de 128 Go. Voilà. Faut partager la vidéo. Ok. Tous les noms que vous m'avez regardé, vous n'avez qu'à vous abonner.